Quand on invite des amis à l'apéro, on peut se contenter de servir des chips, des cacahuètes, mais grillées à sec attention, et des tomates cerises. Mais avouez que concocter un apéritif maison avec vos petites mains, c'est tout de même plus réjouissant, non? Les invités vont arriver affamés et se délecter de tout ce que vous aurez préparé, alors il s'agit de ne pas commettre d'impair et de tous donner. Pour vous aider dans votre quête de l'apéro réussi, voici plus de 60 recettes d'apéritifs pour tous les goûts et toutes les saisons. Boucher, mignardise, mini brochette, chaude ou froide, amuse-bouche, canapé, n'hésitez pas à jouer sur la forme pour une touche originale, petit four, cake, tuiles, dips, verrines, chips de légumes, rillettes maison, thon, maquereau, dinde sardine, poulet, petit feuilleté à la viande ou aux légumes, mini wrap, roulé, blini, version froide au saumon et au fromage frais ou version chaude avec du chèvre chaud, des pommes et une touche de miel. N'oublions pas non plus les traditionnelles sauces pour accompagner les dips, guacamole, tzatziki, crème au bacon. Vous n'avez plus qu'à écouter vos papis et choisir les recettes d'apéritifs à grignoter qui feront plaisir à vos convives. Quelle quantité préparer pour un apéritif qui ne laisse pas sur sa faim? L'idée est de prévoir la juste quantité pour vos hôtes, que ce soit en petites choses à grignoter comme en boisson. Voici quelques repères pour vous aider à doser au mieux. Côté chose et mangers, comptez environ 8 pièces par convive. Côté boisson, ayez en tête qu'une bouteille de champagne ou de vin suffira pour 5 personnes, tandis qu'une bouteille de soda ou de jus satisfera plutôt 6 ou 7 convives. Et un conseil, vous pouvez cuisiner des quantités un rien plus généreuses et servir vos snacks apéritifs en guise d'entrée en format tapas. Succès assuré, enfin, vous pouvez prolonger l'apéritif en apéro dînatoire, il suffit juste de prévoir un peu plus de choses à manger et à boire et de ne pas oublier des petits desserts individuels. Quelques idées de recettes pour un apéro légère parce qu'on peut aimer les apéritifs entre amis tout en souhaitant faire attention à son tour de taille, on vous donne quelques conseils pour un apéro light, savoureux et convivial. Sachez qu'il existe de nombreuses recettes saines et peu caloriques qui feront la joie des papilles et de vos convives, et leur éviteront de culpabiliser si jamais elles font attention à leur ligne. Les dips, vous savez, ce sont ces petites choses à tremper dans des sauces. Eh bien, la version légère des dips existe, prenez des bâtonnets de crudités, concombres, radis, carottes, choux-fleurs, céleri, brocoli, poivrons, champignons, et accompagnez-les de petites sauces à base de yaourt ou de fromage blanc. Pour les amateurs de sucré, vous pouvez aussi le faire avec des quartiers de pommes croquantes et acidulées à souhait, par exemple. Les toasts revisités, remplacez les tranches de pain par des tranches de concombre, courgettes, radis noirs, feuilles d'endive, champignons, sans le pied, tartinez les de fromage frais, ajoutez des dés de jambon, miettes de thon ou morceaux de crevettes, et vous obtenez des toasts gourmands et frais que les plus gourmands se feront une joie de déguster. Les verrines, pensez aux verrines à base de légumes, aux soupes froides et chaudes, aux mousses et coulis de légumes, avec pourquoi pas, un peu de fromage. Là aussi, vous pouvez les décliner en version sucrée soit pour les amateurs du genre soit pour finir un apéritif dînatoire sur une note plus douce. Les brochettes, sur les brochettes, vous pouvez piquer ce que vous voulez, alors piquez léger, tomates cerises, rondelles de courgettes, morceaux de poivrons, olives vertes ou noires, dés de melon, de pastèque ou de pommes, grains de raisin, crevettes, petits dés de fromage. Laissez votre imagination vous guider. Voici maintenant 45 recettes d'apéritifs pour vos soirées entre amis. Choisissez celle qui vous donne l'eau à la bouche, une fois que c'est fait, il vous reste juste à lancer les invitations. À voir aussi sur au féminin, plus grand que les recettes de tapas préférées de nos internautes, plus grand que le best-of des tapas à préparer pour se régaler.